Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et quel épisode! Ça y est, ça fait des mois que j'attends ça et elle est enfin là. Une paire que j'ai payée 40 € qui est censée être comme une paire à 300 €. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je l'ai reçue, comme j'ai activé la caméra et on va découvrir ça en direct. Là, je sais même pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est catastrophique, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est fou. Je suis trop excité. C'est parti. Du coup, c'est ça le paquet les soldats. Voilà, j'ai reçu ça. Bon, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais recevoir la boîte à chaussures plus le shoebag. Finalement, le mec, il m'a dit pour ce que tu as payé, il n'y a rien du tout. C'est tout. Il n'y a que la paire de crampons, sois content. Donc, je suis un petit peu déçu. On va voir ce que ça donne. En tout cas, quand je touche, je sens les crampons. Donc, j'ai grave hâte de savoir ce que c'est. Si tu as vu la miniature, tu sais de quelle paire il s'agit. Il s'agit tout simplement de la Vapor, la Mercurial Vapor 25e anniversaire. De chez Nike. Donc une paire qui est normalement très difficilement copiable. Elle est super belle, il y a des détails qui sont là et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va faire l'unboxing ensemble. C'est simple, j'ai mes ciseaux qui sont là. C'est parti, parce qu'il y a du scotch de partout. Wesh. Quand tu vois ça, on dirait pas que c'est des crampons. Ça va que hein, YouTube me démonétisait pas, c'est une paire de crampons à l'intérieur. Hein. One eternity later. Donc comment ça se passe? À l'intérieur, on a une carte, enfin un carton, papier carton de StockX. Donc c'est StockX qui m'a envoyé la paire à Skip. Donc on a ça. Ensuite, on a même les autocollants StockX, c'est n'importe quoi, ils abusent de ouf. Autocollant StockX. Est-ce qu'on a le porte-clés? Ah, s'il n'y a pas le porte-clés, je suis déçu. Il n'y a pas le porte-clés? Il n'y est pas. Ah, je parlais trop vite. Il est là. Il est là. Voilà, ma paire est certifiée StockX. C'est n'importe quoi. Quand tu achètes ta paire de base, il n'y a pas de StockX. Donc là, elle est... Oh, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu. Les soldats, je travaille assez avec les crampons pour vous dire que rien que comme ça, à l'œil nu, je vois plein de défauts, plein de choses qui ne correspondent pas. Et je suis bien content d'avoir payé que 40 € parce que quand je vois la qualité du produit, ça n'a pas l'air foufou. Bon, déjà, on met ça de côté. Ça, déjà, de base, quand tu achètes une paire de crampons, c'est rare, à moins que tu achètes ça sur StockX. Hein, c'est possible que tu achètes sur StockX, mais en général, tu n'as pas ça. Donc ça, hop. Côté. Derrière, voilà à quoi elle ressemble. Ah ben ça va être très simple. On va mettre le pied droit de côté, on va enlever l'arme blanche, on va enlever ça, on va prendre le pied gauche et là le pied gauche et on va les comparer. Alors déjà normalement là à la caméra vous devez voir quelques différences, que ce soit au niveau de la forme de la chaussure, que ce soit au niveau de la couleur de la chaussure, au niveau du jaune. Le jaune a l'air à peu près similaire. Et vous voyez déjà un petit peu au niveau des détails. Moi en tout cas ce qui me marque le plus, c'est déjà la forme de la chaussure, tu vois. Elle est toute écrasée et même si j'essaye de vraiment, tu vois, ramener le truc et tout, ben, tu vois, elle est quand même écrasée. Alors que celle-là, même si tu l'écrases, ben, déjà ça revient en place. Ça revient en place direct. Et je pense que si tu travailles dessus, ben, ça reviendra quand même en place. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, ben, au niveau de la couleur. Là on est sur du vrai gris argenté. Là, il y a du gris, alors que là, c'est blanc. Moi, pour moi, c'est du... Les écritures sont argentées, mais le Vaporposite, le tissu, le speed mesh, le flyknit à l'intérieur, avec le Duragon, il est blanc. Tu le vois. Regarde la différence. Tu le vois de ouf. Tu le vois de ouf. Ensuite, au niveau des lacets, ce que je peux te dire, tu vois, au niveau des lacets, déjà, le bout des lacets n'est pas le même. Sur la vraie, il est censé avoir en jaune fluo. Là, il y a marqué Mercurial. Un petit peu coupé en noir et blanc. Donc déjà ça c'est pas bon. Le lacet après il a l'air assez similaire. Il est un petit peu plus flexible j'ai envie de te dire. Alors que lui tu sens qu'il est un peu plus dur. Tu peux pas faire la... Regarde, c'est simple, tu vois je fais ça. Et là, tu vois, c'est pas la même flexibilité. En tout cas bon, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'à la caméra ça se voit moins. Ensuite, sur l'avant de la chaussure, sur le dessus pardon, de la chaussure, il y a ce petit souche là sur l'avant du pied. Et donc ça, ça a été thermocollé. Donc c'est du plastique. C'est du... Tu captes? Là, c'est pas... C'est du thermocollé, mais déjà c'est brodé bizarrement et c'est pas la même qualité. Le souche est beaucoup plus petit et le plastique est beaucoup plus grand par rapport à... En fait, c'est disproportionné. Quelle vue panaménorique, je sais plus. Comment on dit? Disproportionné. C'est disproportionné. Donc, déjà, il y a ça comme défaut. Ensuite, on peut passer sur l'extérieur du pied. L'extérieur du pied, le souche, vous allez me dire, ouais, il est à peu près pareil. Bon, il est un petit peu abîmé, mais ça, j'y peux rien. C'est une paire à 40 balles, donc forcément, l'industrie, elle doit pas être folle. Donc, c'est un petit peu abîmé. Il y a, on va dire, les petits détails dans le souche, mais pas aussi marqués que dans ceux-là. Par contre, la grosse différence, c'est que là, le thermocollage, en fait, quand on passe sur le doigt, on le sent pas. Comme si le souche était intégré au speed mesh. Alors que, ici, je le sens, tu vois. Tu vois, je peux essayer de le décoller. Alors que là, impossible de l'avoir. C'est vraiment intégré. Donc là, tu vois, c'est un thermocollage qui, à mon avis, au bout de quelques utilisations, il saute. Donc ça, c'est ce que je peux trouver de plus flagrant. Ensuite, tu vois le bord? Sur le bord, là, sur la remontée du gris, il y a ce truc noir là avec les inscriptions CR7, pardon, pas CR7, Mercurial, etc. Alors que là, il n'est pas noir, il est gris, gris métallisé et qui va jusqu'à la chaussette. Et la chaussette, elle est en place quoi. Là, la chaussette est beaucoup plus grande. Tu vois la distance là, c'est beaucoup plus grand par rapport à là, c'est beaucoup plus grand ça aussi. Au niveau des traits, bon après ça c'est des traits blancs, mais il y en a beaucoup moins. Genre les traits blancs au niveau du talon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 20. Donc déjà, c'est pas le même nombre de traits. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors le talon, je crois c'est le pire. Le talon, c'est le plus catastrophique. Le talon, là, sur le faux, le Mercurial, il est à peine lisible et il est jaune fluo. Alors que là, ben là, il est parfaitement lisible, c'est du thermocollé, c'est quali, tu sens le passage sur le doigt et c'est noir. Là, c'est de l'écriture, c'est du brodage éclaté et voilà, tu sens que c'est vraiment light. Pareil, au niveau de la qualité du produit, là, avec mes deux doigts, je peux facilement serrer au niveau du talon. Là, je peux beaucoup moins. Là, vraiment, tu sens que c'est quelque chose de rigide. Pourtant, je fais le taf, mais tu le fais beaucoup moins. Ensuite, on passe au niveau de l'intérieur du pied. L'intérieur du pied, ce qu'on peut avoir de différent, c'est qu'on a au niveau du souche, là c'est un thermocollé. Donc pareil, tu le sens. Tu vois, tu captes, alors que là, c'est directement intégré dans le speed mesh. Là, ils ont inversé, c'est pas bon. Le MXXV, il a l'air plutôt correct. Au niveau de la forme, ça a l'air plutôt d'être la même chose. Je vois pas réellement de différence. À part bien évidemment le Vaporposite qui n'est pas du tout le même parce que là c'est pas du Vaporposite, c'est une imitation. Et donc du coup on voit un peu le grain à l'intérieur qui est pas pareil, mais sinon au niveau de l'écriture c'est à peu près correspondant. C'est à peu près correspondant. Oh, question peut-être bête, mais au niveau des trous du laçage c'est exactement le même, c'est du double perforage, c'est exactement la même chose. On a fait le tour au niveau du dessus de la chaussure. Moi, en tout cas, je trouve déjà que c'est quelque chose de très très large. La chaussette, là, elle fait vraiment pas le taf que celle-là fait habituellement. Celle-là, elle est, tu vois, c'est vachement plus élastique. Ça fait son taf de flyknit qui vient s'intégrer directement à la forme de ton pied. Maintenant, on bascule au niveau de la semelle. Et ça, la semelle, ça va être hyper important parce que, vous le savez maintenant, je vous l'ai répété plusieurs fois, chez Mercurial, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le... pardon, pas le Vaporposite, le Air Zoom. C'est marqué en plus, je ne sais même pas lire. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà de différent? C'est que cette semelle, donc la fake, elle est beaucoup plus jaune fluo que la vraie. Ensuite, au niveau de l'écriture du Air Zoom, lui, le Air Zoom, là, l'écriture Air Zoom, elle est intégrée, elle est à l'intérieur de la semelle, alors que là, c'est à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que dès que tu vas jouer au bout de 3 fois, le Air Zoom, il va disparaître. Ensuite, au niveau du talon, on a marqué Mercurial Air Zoom. Franchement, c'est assez similaire, sauf que c'est pas les mêmes crampons. Sur les fakes, les crampons, des lamelles au talon sont transparents, alors que sur la vraie, c'est des crampons mat, foncés. Il n'y a pas de transparence. Après, au niveau de la forme des crampons, c'est respecté, c'est exactement la même chose. Même au niveau de la longueur, ça a l'air plutôt correct. Par contre, il n'y a pas de Air Zoom. Là, il n'y en a pas. Là, il y a du Air Zoom. Là, tu sens cette semelle un peu plus molle ici, avec les fibres de carbone, avec de l'air pressurisé. Là, il n'y a pas d'air pressurisé. Là, c'est mou de la même manière de partout. Donc, quand je sens la légèreté, du moins la mollacité de la semelle, je me dis, mais sur ça, tu vas te casser les pieds. Tu vas te casser les pieds. De toute façon, tu le vois sur le terrain. Je l'ai testé. Ça accroche pas bien le pied. Tu te sens pas hyper bien dedans. Et il faut absolument avoir quelque chose de confortable. Et encore, j'ai même pas joué avec. Je pense que je joue avec une heure. Je me retrouve avec des cloques à chaque orteil, au-dessus, en dessous, au talon, même sous les aisselles. Laisse tomber. Ça doit être un enfer de jouer avec ça. Donc, j'ai envie de te dire, limite, je suis un petit peu rassuré. Parce que quand j'ai vu le produit, en tout cas comment on me l'a vendu, je me suis dit wow, ça va être incroyable ce que je vais recevoir. Mais en fait non. Déjà d'un point de vue esthétique, ça allait. On va dire qu'on est peut-être à 60-70% copie conforme de la vraie. Par contre, en termes de confort, de qualité de produit, on est à 2%. On est à 2%. C'est un produit qui répondra jamais à la demande, à l'offre que propose Nike avec cette vapeur-là. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, c'est rassurant pour toi. Et au moins, ça te permet de comprendre qu'il ne faut surtout pas investir dans ce genre de modèle parce que déjà, il peut péter à n'importe quel moment. Et ça fait chier de mettre 40, 50 balles, voire plus, parce qu'il y en a, attention, hein, moi j'ai pris 40 balles, mais il y en a, ils vendent ça, genre, j'ai vu des trucs passer à 80, 90 balles, 100 balles. Et bien évidemment, je sais quelles questions tu es en train de te poser, je ne te dirai absolument pas où je l'ai acheté, parce que je ne fais pas du tout l'apologie des faux sites illégaux, parce que c'est illégal hein, d'acheter de la contrefaçon. Là, j'ai l'autorisation de Nike de pouvoir acheter une fake et de pouvoir comparer la fake à la vraie. Donc merci à Nike bien évidemment de me donner cette possibilité de le faire. Si d'ailleurs ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle autre paire vous voulez que je le fasse. Et je verrai si les autres marques m'autorisent à acheter une paire et de pouvoir comparer avec une vraie. Comme ça, au moins on voit et je ferai le nécessaire. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la chaussure. Il y a, comme je vous ai dit, pas de shoe bag, pas de boîte à chaussures. Donc je ne pourrais pas comparer la qualité de cette boîte avec la qualité du shoe bag de la Mercurial. Dans tous les cas, c'est pas une copie conforme du tout quoi. Et on comprend pourquoi ce modèle-là vaut ce prix-là et pourquoi ce modèle-là vaut ce prix-là. Même au niveau de l'intérieur, la semelle, attendez peut-être que je vais pouvoir l'enlever. La semelle, elle est jaune fluo, il y a marqué Air Zoom Mercurial, alors que la vraie semelle, hop, elle est comme ça. Alors déjà, elle est quasiment collée au pied. Donc déjà, vous voyez comment c'est? Ça, c'est la vraie. Là, il y a la forme qui s'intègre et qui s'implante directement dans la chaussure. Et il y a marqué juste 25. MXX25. Donc Mercurial 25 ans. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et pareil au niveau de... Bon, après, ça reste une semelle, quoi. Il n'y a rien de fou. Là, tu sens, tu vois, là, il y a de la colle. Alors que là, il n'y en a pas. C'est pour ça que je l'ai enlevé beaucoup plus facilement. Tu vois, là, elle est vide. J'ai beau appuyer. Elle revient à sa forme initiale. Donc il y a une grosse différence entre une paire fake et une vraie paire, tout simplement, que tu peux retrouver chez nous ou ailleurs. Voilà. Donc, les soldats, maintenant, moi, vous savez, ne tombez pas dans le piège d'acheter du fake en vous disant « je ne vais pas la payer cher et au moins j'ai la même que les professionnels sur le terrain » parce que ça va vous risquer péril et vous risquez surtout de vous faire mal, de créer des blessures, des ampoules, des cloques, et ça c'est super énervant et super douloureux et super long à enlever parce que tu t'arrêtes pas de jouer, donc forcément ça revient constamment. Et en plus, ça c'est un risque que tu te fasses coincer à la douane et que tu prennes une amende. Ouais, il y a un gros risque. Et encore, oh là là, mais quelle horreur. Ah, j'avais pas vu ça. Oh, l'intérieur. Oh, l'intérieur, c'est encore plus catastrophique que je le pensais. Si j'arrive à vous faire un b-roll de l'intérieur comparé à l'autre intérieur, vous allez voir la différence. Là, c'est du plastique. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais wow, la qualité, c'est catastrophique. Je comprends pourquoi je n'étais pas à l'aise comme ça sur le terrain. C'est vraiment pas bon. Bref, voilà. Vous savez maintenant, vous savez que prendre une fake Mercurial Vapor, c'est pas bon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste ça avec d'autres paires, comme ça moi ça vous permet de voir la différence entre les deux. Maintenant, ben, ça n'a plus de surprise pour vous. Vous savez la différence entre une vraie et une fausse. Je vous l'ai détaillé de fond en comble, du talon jusqu'à la pointe, du haut jusqu'au bas. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous voulez que je fasse. Ça fait 8 fois que je vous le dis, je suis relou de ouf. Mais c'est pas grave, parce que vous m'aimez et moi je vous aime. Donc c'est l'essentiel. Ok, on fait comme ça. Lâche ton pouce bleu soldat, c'est très important, ça nous donne de la force. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît. Des fois je vois des épisodes qui explosent, qui font des stats de fou. Et ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Donne-la ce fort frérot, c'est important. Ok, donc on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Si ça t'a kiffé, tu me le dis. Je pense que ça devrait être sympa. Et on se dit à la prochaine. Bise mon soldat. Laquelle je prends? Non, pas celle-là, prends celle-là.